Hey, salut tout le monde, c'est Brazzer, comment allez-vous? Moi, comme d'habitude, ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FUT 14. Et pour cette nouvelle vidéo, on va lancer donc, on va continuer la série Super Mario Balotelli. Mais on va la lancer sur un nouveau compte. Donc, pour cette nouvelle reprise de la série, j'ai décidé donc de finalement partir sur un nouveau compte pour partir en D10. Parce que c'était bien trop compliqué en bouclier des champions, jouer contre des grosses équipes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 7500 crédits, donc je vais me faire un petit pack or. Et suite avec les joueurs que j'ai déjà dans mon club, donc les joueurs en bronze et ceux que j'aurai dans ce petit pack, on va se créer une équipe sympathique ou non, on verra bien, selon ce que j'ai dans ce pack. Et après, soit j'achèterai avec les crédits, donc je vais gagner durant la division, soit j'achèterai des packs, soit j'achèterai des joueurs, c'est à vous de me dire en commentaire ce qui vous intéresserait le plus. J'ai de la chance, je suis tombé sur un attaquant qui en plus est en Serie A, donc il va bien s'entendre avec Balotelli, donc c'est un bon début. Donc ce que je disais, vous me dites en commentaire si vous préférez que j'achète des joueurs avec les crédits ou si vous préférez que j'ouvre des packs et qu'avec donc, les joueurs que j'ai dans les packs, j'essaye de former une équipe qui marchera plus ou moins bien. Plus ou moins que plus sûrement, bref. Allez, on met tout ça dans le club et on va aller se faire sa petite équipe, ma petite équipe vite fait. Donc voilà, je suis obligé de garder les contrats etc parce que forcément ben, j'en ai pas sur ce compte vu qu'il vient juste de commencer. Donc on va tout garder, positionnement, ça... On va faire comment, en faire le maillot actif, voilà, hop. Comme ça, je crois que je vais avoir un pack gratuit en plus. Si, ou peut-être que je l'ai déjà fait. J'ai peut-être fait déjà. Ah non, j'ai pas fait, voilà, parfait. Donc j'aurai un petit pack gratuit à force. Et on va mettre celui-là. Ah, mais bon, tant pis. Allez, on vend. On va aller se faire la petite équipe avec les joueurs que j'ai donc dans mon club. Donc les joueurs en... Donc au début, on a 3 joueurs or offerts. Et un pack premium bronze, un truc comme ça. Donc... On va faire la pointe en attaque du coup, les deux attaquants qui vont bien s'entendre, je suis assez content d'avoir lui. Je ne l'ai jamais testé en plus, ça me donnera l'occasion de le tester. Et en plus, en remplaçant, j'ai un petit attaquant qui joue à l'Inter de Milan, donc il s'entendra très bien. Ça c'est sympa du coup. Allez, ensuite les MC, qu'est-ce qu'on a en MC? Un petit Brésilien, est-ce qu'il est un petit peu technique, 3 étoiles. Et un petit Italien, donc on va le mettre celui-là à côté de Balotelli. Comme ça, il y aura un petit lien entre les deux. Et ici, on va mettre 73 de vitesse, 54 de passe. Lui, il a une meilleure frappe, on va mettre lui. Donc lui, je veux juste savoir s'il est gaucher ou droitier. Il est droitier avec 4 étoiles de mauvais pied. C'est pas dégueu, on va dire. Ensuite, le MD. Ah, bon, on a un mec qui a des cannes, Finlay. 82 de vitesse. Et en plus, apparemment, dans le même championnat que ce monsieur. Ça tombe très bien. Ensuite, le milieu gauche, un Italien. Quoi de mieux ? Qui est dans le même championnat que l'autre. Eh ben dis donc, on n'aura finalement pas un collectif si dégueulasse que ça. En défenseur central, j'ai un Italien en or. Parfait. Hop, on met celui-ci. Défenseur gauche, j'ai quoi? J'ai un Italien en argent. Et j'ai celui-là. On va mettre ben, l'Italien en argent, du coup. Ça fait... Ça va me faire un bon collectif au final. Ensuite, on recherche... Qu'est-ce qu'on a là? On a encore un Italien. DC 62, 64 de vitesse. Bon, ben on va mettre lui, du coup. Et à droite... Qu'est-ce qu'on a à droite? On a le petit Mexicain, donc ça va. Ça fait un collectif de 78, on va voir avec les entraîneurs, le gardien, etc. Ah oui, celui-là, il m'a fait rire, regardez, c'est le seul où on voit son corps. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais lui, on voit tout son corps, il est très chelou. Bref, c'est mon meilleur gardien, donc on va le mettre. Ensuite, ce qui est remplaçant, ben, on va mettre les meilleurs en remplaçant. Hop, même si je vous avoue que je fais pas trop de changements habituellement, mais là, je vais sûrement devoir en faire, étant donné que j'ai pas trop de forme ni de contrat, etc. Donc on verra bien. J'espère en tout cas que ça va être un petit peu plus intéressant que les anciens matchs. Enfin les anciens matchs. Les anciens, oui les anciens épisodes. Parce que c'est vrai que je me faisais complètement bouffer par les mecs. Ils avaient des trop grosses équipes. Là logiquement je devrais tomber sur des mecs qui ont des petites équipes bronze etc. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vous dis à tout de suite parce que maintenant que mon équipe est faite, je voulais que vous voyez. Je sais pas si ça se dit, bref, en direct l'équipe se faire. On va se donner rendez-vous dès que j'aurai trouvé mon premier match. A tout de suite. Bon, nous voilà avec notre premier adversaire, donc il a une note générale de 69, avec 55 de collectif, il a Ayu en attaque, bon, sur le papier, sur le paplard, c'est moi le meilleur, certes, mais on verra bien ce que ça va donner sur le terrain, il a pas mal d'anglais, bon, on va voir, ça, de toute façon c'est toujours mieux que les équipes full or que je me chopais dans les 3 premiers épisodes, j'espère que le bon vieux Mario il va marquer, j'espère... On va gagner, il faut 3 victoires pour monter en D9. Est-ce que je vais mettre 3 matchs dans cet épisode? Je sais pas parce que c'est vrai qu'il va être déjà un petit peu long avec ouais, je vais essayer de mettre 2 ou 3 matchs en essayant de couper le plus possible. Allez, c'est parti pour le match.
Allez, super ça. Allez, pour Mario Balotelli, Mario Balotelli, frappe de Mario, goal ! Super Mario ! Premier match en D10, 3 minutes, but de Balotelli. But de Balotelli, donc ça fait plaisir, c'est servi par Vucini, enfin par l'attaquant donc, de la Juve là. Ouais, c'est ça, superbe passe, superbe frappe. Bon, en plus le gardien est pas très bon, mais je pense que même un bon gardien l'aurait pas arrêté. Les débuts de Super Mario commencent maintenant. Balotelli. Allez, tirer un triangle bien dégueulasse. Allez, Vucini, Vucini, frappe. Oh, ce but. Ouh là là, lui il va être bon aussi, putain. Vucinic. Ah, il est sympa, franchement. Bon, petit Alain triangle bien dégueulasse de Balotelli, mais bon. Des fois, il en faut. Donc, ça lui fait une passe D, je pense, du coup. Et là, lourde frappe. Et comme je l'ai dit, là, les gardiens, du coup, c'est pas des Neuer, c'est pas des Casillas, des Diego Lopez, des Courtois qui font des parades interdites. C'est des vieux gardiens en bronze, donc ça passe plus facilement. Allez, 2-0, 20e minute. On reste concentré parce qu'avec FIFA, c'est jamais fini. Allez. Allez. Petite passe. Deuxième passe. Balotelli au contact. Balotelli. Feinte. Balotelli sur son pied droit. Un petit enroulé. But. Goal de Super Mario. Putain, j'ai une sale mousse qui m'énerve là. Ah, elle est belle. Elle est belle. Ah, ça fait plaisir parce que dans les premiers épisodes, il n'avait pas pu s'illustrer comme il le devrait parce que c'est vraiment un très très gros joueur. Mais là, je suis assez content. Allez, 3-0. Normalement, ce match est plié. On va quand même rester serein. Il n'a pas une seule frappe encore. Allez. Allez, Balotelli. Allez, sans contrôle. Boum. Bouh. Balotelli. Goal. En fait, c'est limite trop facile parce que les gardiens, c'est le trou complet dès qu'il frappera des. Parce que franchement, celle-là, elle est largement parable. Les gars, enfin, largement. C'est une belle frappe, mais habituellement, le gardien, il arrête ça, quoi. Bref, triplé de Balotelli pour son premier match en D10. J'espère qu'on va vite monter les échelons. Pourquoi pas arriver jusqu'en D1, mais bon. Déjà que j'arrive pas à arriver en D1 avec mes 50 équipes que j'ai, là. Si j'ai... Allez, au contact encore. Allez, grosse frappe. Balotelli, oh, trop grosse. Bref, ce que je disais, c'est que même j'ai du mal à monter en D1 avec mes équipes à moi, alors ça m'étonnerait qu'avec une équipe que je vais construire, peut-être avec des packs ou quoi, où il n'y aura pas forcément centre collectif, pas les... Allez, allez, allez. Oh, non. Comment il a loupé ça? Oula. Campbell, carton jaune. Non, mais comment il a loupé ça, Balotelli, sans déconner? C'était un cadeau, raté ça. Oh là là, il a fait une sale tête, là. Bon, bref, c'est pas grave. On gagne 4-0. Demande d'ajout en ligne. Esquimo. Oh le gardien. Oh la claquette. Elle était belle. Allez. Jolie balle en profondeur pour. Allez, Balotelli, frappe. Bon là là. Oh le roi. Le roi Balotelli. Super Mario. Il est très très beau ce but. Allez, putain, il m'énerve cette mouche. Petite fin de frappe, petit râteau, refin de frappe pour se mettre face au cage, boum, lourde frappe, filet opposé, Balotelli, j'ai envie de dire. Premier match, quadruplé. Le mec est fair play quand même, parce qu'il prend 5-0 et quitte même pas. Ouf, petite boucherie là de Balotelli. Qui d'ailleurs revient à la faute alors que il avait toujours le PSG. Allez. Regardez une petite tête pour finir. Ou Finlay. Ouh, yay, yay, yay. Bon, le match, je pense qu'après ce dégagement, il va toucher à sa fin. On va voir. Petite victoire 5-0. Enfin, petite. Grande victoire plutôt 5-0. Ça fait plaisir pour le premier match. 5-0. Quadruplé de Balotelli et une passe décisive de Balotelli. Bon, je pense que ça va être l'homme du match. On va aller voir ça de suite. Voilà, l'homme du match avec 9,6. 4 buts et. Une passe décisive, deux passes décisives de Vucinic, je pense que ça se prononce comme ça. Donc un bon duo d'attaquants, je pense, à voir. On verra quand on sera dans des, comment dire, dans des divisions plus élevées, mais en tout cas pour le moment ça fait plaisir. 680 crédits d'engagés, bon, tranquille, ça fait plaisir. Allez, donc premier match, première victoire, on se retrouve pour le match suivant. Bon, on se retrouve pour le deuxième match, donc lui il a une meilleure équipe. Il a une bien meilleure équipe que celui de tout à l'heure, donc il a quand même
Bon, franchement, je suis désolé, je connais pas les noms, mais je vois quand même qu'il a Verratti. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs en or. Un attaquant avec une note générale de 81. Il joue avec 5 défenseurs, ce qui est rare. Il a 2 défenseurs gauche en défenseur centraux. Bon, logiquement, ça devrait passer parce que même si j'ai. Enfin, moi j'ai 2 attaquants bien meilleurs que lui, après mon équipe n'est pas forcément au-dessus. Mais j'ai quand même 2 gros attaquants et moi chacun est à son bon poste. Donc ça devrait aller. On va voir comment ça va se passer. Super Mario Pressing. Balotelli pour Cristiano, Cristiano pour Balotelli encore. Allez, on ouvre le score là-dessus. Allez, grosse frappe. Ouh, la parade du goal, il va se la mettre dans... Oh, il a failli se la mettre dans ses propres cages. Allez, c'est pas grave, on commence à l'inquiéter un peu. Oh, jolie récupération de Fernandez. Allez, allez, Balotelli qui finit. Yes! Finition de Balotelli en mode renard des surfaces qui passe juste derrière. Donc bon, c'est quand même une action à la base de Fernandez, mais Balotelli, Super Mario est là pour finir le travail. Donc ça fait plaisir. On va revoir ça au ralenti. Donc bon, là il s'est trop complet. Mon attaquant, enfin mon milieu qui les récupère très bien. Là il essaie une petite enroulée, ça passe pas. Et Balotelli, boum. Tout en pas, enfin pas du tout en finesse d'ailleurs. Il te met une espèce de demi-volée là. Balistec, boum, but, 1-0. Il y a quand même deux attaquants, c'est bon. Aïe aïe aïe, allez gardien, tu l'as. Oui gardien, mais il est génial ce goal, il est génial. Je vais le mettre dans mon équipe. Je vais le mettre dans mon équipe, dans mon vrai club ce mec. Balotelli, balle piquée de Balotelli juste au-dessus du gardien qui ne réagit absolument pas. Doublé de Balotelli. Que dire, c'est... il est au-dessus, il est clairement au-dessus. Des défenseurs, il est beaucoup trop costaud. Des gardiens, il est beaucoup trop fort et précis. Enfin... excellent, excellent. Un des 10 là pour le moment, enfin, il se régale. Regardez ce petit piqué du gauche, le gardien, il fait n'importe quoi. 2-0, 2 buts de Balotelli encore. Montre-nous t'as les cannes, allez. Allez, est-ce qu'il a 4 étoiles de la technique, je sais pas. Non. Allez. Allez. Vucinic. Ce but. Ah, bon. Je crois qu'il y a eu un petit rush kit. Bref, c'est pas grave, tant mieux, ça nous fait la victoire plus rapidement. Avec 2 buts de Balotelli et 1 but de Vucinic. Encore une passe décisive de Vucinic. Et quel but de Vucinic, il était vraiment beau. J'aurais bien aimé voir le ralenti, tant pis, je le regarderai dans ma vidéo. Allez, du coup, ça fait chier parce que je gagne pas beaucoup de crédit, mais au moins ça allait vite. Petite victoire, 2 matchs, 2 victoires. On se retrouve pour le 3ème match. Et on se retrouve pour le 3ème match, pardon. Bon, lui, il a une bien meilleure équipe que celle tout à l'heure. Il a Benteke, donc alias l'attaquant de Chité. Il a Vermaelen, si je dis pas de conneries, en défense centrale. Courtois dans les cages, donc un gros gardien face à Balotelli. On va voir ce que ça donne. Et il a à gauche un défenseur central de Tottenham que je ne connais absolument pas. Avec une équipe avec beaucoup d'Allemands, je crois. Ça va peut-être être un peu plus compliqué que les premiers matchs, donc peut-être un peu plus intéressant. On verra ça. À tout de suite. Ah. Allez Vucinic, fais-moi plaisir s'il te plaît. Allez. Elle est belle. Oui. Ouh. Il est beau ce but. Il est très 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 bon. C'est un attaquant que j'ai. Enfin, j'avais une équipe Serie A. J'avais jamais pensé à l'acheter. Et honnêtement, il est très 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 bon là. Faut dire que c'est quand même Courtois qui est en face avec 2 défenseurs. Donc c'était Vermaelen et celui de Tottenham. Et là il te fait une très belle roulette et un très 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 belle frappe du pied gauche. 1-0. Ça fait plaisir. Aïe aïe. Ouh là là, le gardien encore. Et ce gardien est vraiment excellent depuis le début. Enfin, il a eu 4-5 arrêts à faire sur les 3 matchs que j'ai eu. Et les 4-5, il les a fait parfaitement, proprement, etc. Enfin, ça fait plaisir d'avoir un gardien bronze qui me sauve des balles comme ça. Allez, faute de frappe. Allez, Balotelli qui passe, frappe. Ouh. Je l'avais vu en lucarne. Il a un physique de fou, Balotelli. Regardez comment il a écrasé le joueur, direct frappe. C'est dommage, c'était dangereux. Allez, hop, 1, 2, 3. Allez, tu l'as. Oui. Super
Mario. C'est en moonwalk. Ah non, je me suis chié. Très très beau but encore de Balotelli. Toujours présent, toujours. Regardez. Voilà le, mon attaquant qui revient. Petite talonnade, ouf, fin de frappe. Et petite frappe, mais très légère du gauche. Poteau opposé. Courtois battu. Et pour battre Courtois, il en faut normalement. Donc. Ouh, la petite faute là. C'est bien dommage. Bon, je pense que le match il va se finir là-dessus. Mais là, il y aurait eu le petit Courtois là. Il était pas tout blanc sur cette affaire. C'est pas grave. Le match va se finir, je pense. Ah, peut-être avec un but de Balotelli encore. Ou une passe D. Ou une passe D, allez. Oh, dommage. Bref. Trois matchs, trois victoires. Je pense qu'on va rester là-dessus pour le premier épisode. Donc, la montée en D9 est assurée. Donc, dans le prochain épisode, on verra. Vous me verrez, pardon. Tenter le championnat. Bon, je pense que ça va être fait assez facilement vu comment ça a commencé. Je verrai aussi, entre temps, je vais jouer. Comment dire ? Je vais me faire un match de coupe et je vais faire tout ce qu'il faut pour faire la tâche manager là et avoir le pack or gratuit. Donc c'était Brazier, j'espère que ce nouvel épisode de Super Mario vous aura plu et peut-être même plus que les autres parce que je commence enfin à gagner étant donné que je suis parti en D10. C'était Brazier, encore une fois. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.